Hello, hello, my sunshine people. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas de vous abonner pour plus de contenu. Alors aujourd'hui, je vous amène dans la décoration de mes sapins de Noël. Oui, mes deux sapins de Noël. J'ai décoré deux sapins de Noël malgré moi. Et le premier que vous voyez à l'écran, c'est mon second sapin de Noël que j'ai acheté sur Amazon. C'est le sapin que je voulais décorer pour les enfants. Et nous avons trouvé le sapin trop petit. On a dû sortir de notre ancien sapin du carton que vous allez voir à l'écran parce que on a jugé que l'autre était trop petit. Voilà le sapin, notre ancien sapin. On a préféré décorer l'ancien et après on a dit on avait encore les objets de décoration et on a dit pourquoi pas décorer les deux puisque la maison a deux salons. On a préféré déposer un sapin ici et un sapin de l'autre côté que je vous montrerai par la suite. Là, on est en train d'installer le sapin qu'on a trouvé un peu imposant et c'est notre ancien sapin. Hein. Donc là, on détache la lumière pour passer un peu de lumière là-dessus. Normalement, ça vient avec des lumières incrustées, mais comme c'est déjà vieux, certains de ces lumières se sont gâtées. Donc, on a dû insérer des lumières à l'intérieur, comme vous voyez là. Là, nous essayons de mettre les fleurs décoratives là sur le sapin. Ce sont des petites fleurs qui viennent avec des sticks, des petits bâtons là ou bien des petits agrafes. Tu agrafes sur la fleur et puis tu insères dans le sapin. C'est ce que, et on a acheté deux couleurs, couleur rouge et couleur or, les couleurs de Noël quoi. Et aussi, comme on avait beaucoup de boules, on essayait de réunir trois boules ensemble avant d'accrocher pour éviter d'accrocher une après une les boules de Noël là. Alors, ici, on peut constater que la décoration du sapin commence à prendre forme petit à petit. Hein. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Là, une éternité plus tard, on était presque à la fin de la décoration du premier sapin. Je vais vous mettre la vidéo entière à la fin de la décoration du deuxième sapin que je vais vous montrer là, qui est juste derrière moi en train de m'amuser. J'étais déjà fatiguée et en plus, ma fille que vous voyez là à côté, elle ne me laissait pas respirer. Elle ne nous laissait pas respirer. Elle ramassait les boules. Elle j'étais partout pendant que d'autres dorment, ça faisait des bruits partout dans la maison. Elle ne se laissait pas faire. J'avais tellement envie qu'elle aille se coucher pour me laisser me concentrer. Mais est-ce qu'elle
elle voulait aussi participer à la décoration que vous allez la voir pendant toute la décoration de ce deuxième sapin que vous voyez là qui est dans un autre salon différent de, du premier sapin. Donc on décore ensemble alors. Alors là, le second sapin prend forme, juste simplement et sobrement décoré avec le reste du matériel de, du premier sapin. Ouais. Et maintenant, il reste que à attacher des, ces petits jouets là pour les enfants avant qu'ils ne se réveillent. Là, c'est fait, deuxième sapin. Ok, check. Je vous montre un peu mon décor d'extérieur, juste l'entrée de la maison. Là, c'est le haut du garage. Tout le monde a décoré au quartier. Hein. Ça, ce sont mes voisins. Moi, j'ai fait juste une petite décoration très, très simple. Hein. Juste à cause des enfants. Parce que tout ça, c'est trop de travail. Passer les câbles, avoir... cette petite luminosité, ça allait simple, mais c'est compliqué à faire quand même. Bon, je tenais à faire ça. Oh, les enfants adorent ça. Quand ils voient ça, ils vont dire, oh, Christmas, Christmas, mommy, Christmas. Et on est content, ça c'est la paye. Ça c'est la paye de ça. Toute la souffrance là, c'est ça. C'est ça qui est là. Yo. Vous voyez un peu, non? C'est ça. Ça, le décor à l'extérieur. La palme revient à mon voisin. À mon voisin d'en face. Là, lui ne blague pas avec, avec Noël. Hein. Comparé à ce que nous on fait, c'est la blague. Et là, c'est la porte d'entrée. J'ai pas fait de décoration d'intérieur parce que mes enfants sont encore très, très petits. Et même déjà le peu de décor que j'ai à la maison, c'est souvent très catastrophique. Tout est souvent au sol. Bon, et je me donne encore quelques années pour vraiment, vraiment, vraiment m'investir dans la décoration d'intérieur. Mais pour l'instant,
c'est pas la peine.